Et re les amis, on se retrouve donc après pardonnez-moi, un petit peu stuffé. Et là on part vers le hangar. On sait jamais tout ça avance avant de rejoindre le hangar. Ok, si tu veux. Mais moi je sens bien le combat ou les longs combats là. Donc je préfère. On ne sait jamais m'équiper. Ok, bon, on a notre meilleur ami qui est là. Et on va se faire un plaisir de le tartiner. Nickel. Ok, alors, notre arme, avant que je la tape, ne ferait-il pas... ah non, absorbe, ok. C'est donc nous qui on récupère des PV. Ok, super potion Noctis. Hop. Ok, là, j'ai pris cher. Là, prompto, oh bah on va le laisser par terre. Ok. J'ai pas réussi à le toucher du coup. Aide-moi ma poule. Ok, bon. Là je suis un peu obligé du coup. Je vais aider Ennis. Ok, nickel. Alors, on va attendre que l'acidité d'Ennis repop. Voilà, nickel. On a enfin réussi à le vaincre. Ça, c'est cool. Restore méga, ouais. On va se mettre une petite potion sur les deux mecs qui se relèvent là. Ok. Alors, on va mettre ça sur... Ok, bon, je peux pas. Tant pis. J'ai entendu la voix de Lodolas. Je ne vois pas qui c'est, mais. Lui, il a l'air de nous connaître. On va se reposer. Accumuler toute l'XP qu'on a eu. Je sens le gros boss arriver. Déjà qu'on a détruit. Cette petite. Ce mini-boss. Oh, des belles photos, dis donc. Non, aucune. Pour moi, il n'y en a pas. Voilà, ça met une petite sauvegarde aussi par la suite. Et hors direction de ce combat, je sens le gros combat qui arrive. Du coup, on va sauvegarder tout ça. Et j'ai pas envie de me faire défoncer. Franchement. Je sens que je vais me faire dépouiller. Mais franchement, je le sens trop. Je le sens bien me faire... Le pire, c'est... C'est que je vais me faire... Ouh, attends. Sans le PC de PM...
permet de faire une contre-attaque. Au moins, t'as vu. Si on soutient l'enchaînement, ok. Ok, nickel. Ça, ça peut être cool. Quand il est mis à terre. Voilà. On l'enchaînera. Ok, on est arrivé à l'ascenseur. On va voir où il va nous amener. On va se faire démolir, mais je vous le dis. Hein. Ok. Oh, nickel. On ne peut pas l'analyser, les amis. Du coup, ça va être assez difficile. Ok. Wow. Ok. Est-ce que ça, ça va le détruire? Ignis. Allez hop. Un petit coup critique ou pas? Allez, prends-toi, lève-toi. Nickel. Acidité, ma poule. Allez, ma poule, lève-toi. Allez. Boum. C'est vrai qu'il se met vraiment dans les... Putain. La glace, il est insensible. Nickel. Super potion. Gladius. Équipement. Acidité alimentaire. Regroupement et regagner des PV rapidement. Ok. Lance des dagues de plusieurs ennemis. Critique. Voilà, c'est ça.
Ok, donc là il peut pas. Je vais laisser acidité alimentaire à Mister. Non! Que du. Allez, mon petit Inis. On va se relever. On va se battre. Jusqu'à la fin. Oh! Il s'est passé quoi? Ah oui, d'accord. Ok. Non! Putain d'enculé! C'est impossible à se battre. Allez! Allez, prompto! Ok. Allez, knock. On se relève, hop. Non. Allez, aide-moi Nice. Non, putain, mais pourquoi je me fais prendre dans ça là? Allez, Gladio. Allez, relève-toi, ma boule. Allez, hop, enchaînement. Non, c'est impossible, comment il a pu? Allez. Allez, super élixir sur Nock. Allez les gars, faites un petit enchaînement.
Allez, attaque de dos. Allez hop, petite attaque. Ok, les sorts, les examens, les sorts, on va commencer à les utiliser. On va remplacer bah, les assassins, ça me servent à rien du coup contre ce mec. Je sens bien là le feu réparateur, il va pas me servir à grand chose. Là, c'est parfait. Ok. Ok, le feu, il est insensible. Feu insensible. Du coup, je sais pas qu'est-ce que je pourrais claquer d'autre. La cryo-foudre. Allez, prompto, debout. Ouf, il m'a coupé dans mon élan. Non, 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 pas maintenant, putain. Mais arrête. J'ai même pas de truc pour défendre, c'est un peu abusé, là. Par contre, le méga elixir, elle va servir. Et voilà, je me fais encore piéger dans mon propre jeu. Ouf, what? C'est chaud quand même là. Machin, on peut plus changer de vêtement, ok. Non, ouais, on peut plus rien changer. Ok, Noctis. Super potion sur toi, ma poule. Inis, il meurt trop vite. Désolé, mon pote, mais. Eh, mais vous vous rendez compte? Moi, je peux rien faire. Je vous mens pas. Je peux rien faire. Ça s'évite pas, ça se fait rien. C'est infaisable. Voilà, je viens de mourir. Là, il me reste encore un méga phoenix, mais c'est quasiment. Voilà, j'ai raté.
What? Allez, allez. Non, mais non, mais non. Fortifiant. Attends, augmente l'attaque, on va mettre ça là-dessus. Ok, méga elixir direct. Annule les coups en PM, augmente l'attaque sur Gladius. Allez hop ma poule. Ok hop, équipement. Foudre non. Quadrifoule, ça a pas l'air de les aider. Voilà, je vais en avoir besoin. Non, 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 j'en avais besoin là. Allez, allez, j'ai besoin de ça. Putain, merde. Mais sortez de là, les gars. Putain, ils sont plus cons que jamais, quoi. C'est un truc de ouf. Mais restez-moi, putain, allez. Allez hop, je suis mort encore, super. Allez hop. Alors là, franchement, je commence plus à avoir beaucoup de choses. Allez Nice, s'il te plaît. Sauve-nous là. M'attaque là. Allez, petite méga potion ou pas? Non. Ok. Allez, prompto. Putain, ils sont complètement remplis de foudre. C'est parti. Que là. Nice.
Ok. C'est chaud là, je vais rien pouvoir faire. Gladio, faut que tu vraiment tues le. Allez, faut que je t'en finisse avec toi. Non. Ah les gars, faut que vous le finissiez. Fini. Ouh. Après Ravis, on va se taper d'autres démons, c'est ça? Ok. Bon là, ça commence à un petit peu à me saouler. Au niveau... la horde d'ennemis, là. Ok. Ouais, alors vous allez me laisser, voilà. Mais pourquoi je peux rien faire là? Eh oh, eh oh, vous me laissez Putain, c'est un truc de ouf, hein. Ah mais ça c'est impossible, je peux rien faire. Franchement je peux rien faire. Allez, 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 allez. Putain. Faut que je me casse à temps. Faut que je me casse, attends, allez, allez, allez. Non, 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 mais non, mais non, mais non, mais non, putain, mais non, pourquoi? Pourquoi, putain? Vous me faites sortir d'un combat de... contre Ravus. Et ouais, putain, bloque pas, bloque pas. Et voilà.
Non mais franchement, putain, ça me cave. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Je peux rien faire, putain. Nique sa race, va. Vas-y, nique ta race, toi. Putain. Voilà, premier game over. Super. Eh, mais vous vous rendez compte, franchement, c'est un truc barge, c'est... Je viens de défoncer Ravus. Et qu'est-ce que j'ai? Bah, je me retrouve rempli de Daemon. Je peux ni claquer de potion. Je peux ni claquer de queue de phoenix. Je peux rien faire. Je peux ni utiliser mes armes. Vous vous rendez pas compte, je me retrouve sans rien, quoi. C'est abusé. Ok, on se reprend l'anneau. On se reprend un feu réparateur, ouais. Allez, le cristal il marche là cette fois. Voilà, hop. Ok. Le cristal, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, faut que je fonce. Faut que je fonce dedans. Je vais y arriver, je vais y arriver. Nickel. Ok. Alors on reprend. Je vais y arriver, je vais y arriver, les amis. On a laissé nos... Putain, c'était un combat, voilà. Je me suis énervé, excusez-moi. Je dois juste m'excuser, hein. Je me suis énervé franco parce que le jeu ne voulait tout simplement pas que j'utilise d'objets, en fait. Et vous pouvez comprendre mon désarroi, c'est assez chiant. C'est comme contre Ravus, j'essayais de me heal avec le feu. Et ben c'était impossible, en fait, ça me healait pas. Tout simplement, ça me faisait rien du tout. Donc voilà, c'était un peu énervant. まだ生きてるかな。死んだ人たち、どんな思いだったろうね。彼らの最後の言葉、思い出せる？すぐ戻れ。絶対！ なんだろうな。みんなが王様に期待してんだからな。お疲れ様、ノクト。力を貸してくれ。 何？王様は違うな。
やっぱり触れるんだ。それはそれは大昔の昔。特効薬のない流行り病が蔓延した。元凶は寄生虫だ。その病に侵された者は化け物とみなされ殺された。当時ルシスに一人の男がいた。自分の体に病を吸い取り、一人で病人たちを救っていた男が。が まだクリスタルに選ばれていなかった王は、その人々を救える唯一の男を殺してしまった化け物呼ばわりしてな。俺の名前さ、あれ本名だけど正式名じゃなかったんだよね。アーデン・ルシス・チェラム正式名。あ、イズニアは誰のせいだったか。なくとも みんなの名を殺してもいいんだ。クリスタルの力を得て真の王になってくれ。クリスタルのその力のと王を放棄するのが俺の望みなんだ。早く帰ってくれ。みんなと遊んで待ってる。 力を求めよ。
世界を闇で覆った成績に選ばれ歴代の王に守られたお前を討つまで復讐は終わるまい。お前が玉座で命を捧ぐほか、この力を解放する術はない。お前の命と引き換えに力を解き放てば、すべてが終わる。偽りの王は闇と共に滅び、世界には夜明けがもたらされよう。人として生きる喜びを捨て、王の使命を全うするのだ。さあ、力を求めよ。真の王の力を。Bon les amis, on se retrouve dans une geôle avec un Alexis qui a pris un peu de barbe, hein, qui a un peu vieilli. Et je sais pas du tout où on est là. Ombro. Hammerhead. Wouah, ça promet du bon là pour le nouveau chapitre. Ça promet vraiment du bon avec un monde qui sombre dans le chaos en fait. Vous avez vu ce nuage tout noir là? Et bah c'est ce qui nous attend les amis. Un monde bien chaotique. Ouh, celui-là est pas mal. Bah ouais, on va la prendre celle-là. Je suis un cadre pour mettre en valeur, donc je m'en bats les couilles. hop. Et suite. On peut choisir un cadre maintenant. Bon, intéressant. Enfin, pour ceux qui aiment prendre des photos et des screens. Chapitre 14. Le retour du roi élu.
Bon, on se retrouve. Pour ceux qui se rappelaient pas, c'était un peu le lieu chic où on était venu au début pour voir si on avait un bateau. Ouais, ils sont un peu bas level quand même. Hein. Allez, dégagez de là, les amis. Ouais, alors là. Putain, le Noctis il a vraiment vieilli quoi. On va partir, sortir déjà de cette zone. J'avoue que c'est quand même. C'est très. Allez hop, salut les gars! Oula, c'est quoi ces petites bêtes? D'accord, ok. Je vois pas du tout ce que c'est, ce que on vient de faire ici, ces bêtes. Ouais. Bon, ça sert à rien de se battre contre ça, ça a l'air d'être peine perdue. Ah bah à suivre hein. Oula. Voilà, hop, ça va plus vite. On va devoir traverser tout ça à pied, quoi. Ah ouais, on va devoir tout faire à pied. Bah écoutez, ça va être à pied, hein. Quoi voulez-vous que je vous dise? Oh ouais, d'accord, laisse tomber. Il y a des trucs un peu zarbes sur cette planète. Vous vous rendez compte, il y a des levels 57. C'est horrible. Comment je pourrais affronter ça? Comment je pourrais affronter ça? Oula, ça va, j'ai du chemin là. Oula. Franchement, c'est pas cool. Ouais. Alors là, moi je vous le dis, hein.
ça a l'air chaud tonight. Ça a l'air d'être très difficile de rentrer à la maison là. Vous vous rendez compte, là on a encore 3,17 km à marcher. Et franchement, c'est très moche. Tellement moche, s'il te plaît. Ce monde est devenu vraiment pourri, quoi. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, une voiture, je me disais, on va pas marcher tout seul, quand même. Oh non! Dare? Tarukotto Hasta desu. Sofu ga Amishitia ken ni tsukaete. Tarukotto? Hai. Maji ka? Maji desu. Noctis-sama desu yo ne. Hai. Hai. So desu. Hein? Oh. Noctis-sama, kawarette. Atte kara de ii yo. Ano, atte kara tte. Hai. Wakarimashita. Ja. C'est là normalement qu'on peut sortir. J'ai raté un épisode. On a passé je sais pas combien d'années là-bas. On est hyper vieux, on a pris un coup de vieux de ouf. Et Talgot, vous savez, le petit gosse, bah, c'est devenu une putain de personne. C'est devenu un putain d'adulte, un putain d'adolescent qui a grandi, quoi. Ah bah franchement, ça me donne envie de continuer ce jeu. J'ai envie de savoir plus. Et on se retrouve au prochain épisode pour savoir plus sur, sur ce qui est arrivé sur ce monde ténébreux, en fait. En espérant que notre chère patrie soit encore un peu debout, qu'on vienne pas reprendre juste des terres, qu'on vienne aussi reprendre notre patrie, qu'il soit, les murs soient encore là, que tout soit encore là, et que le cristal nous donne la force de détruire Ardrin, qui au final est un Lucis aussi. Bon, ça m'a un peu surpris, mais bon, l'histoire, elle est plein de rebondissements, et ça, j'adore. On se retrouve au prochain épisode, les amis. À tout de suite.